En el que se puede degustar la
Sanctuaire des Invalides, qui abrite un hôpital militaire, le musée de l'armée, et sous le bâton de l'île, le tombeau de Napoléon Ier. Before the fort Alexander III was built, if you look carefully, you can see the golden dome of Les Invalides. It's building a house of military hospitals, the military museum, and under the dome is the tomb of Napoléon IV. La tour était à l'origine un monument éphémère. Beaucoup d'artistes et d'écrivains de l'époque détestaient la tour et réclamaient sa destruction. Finalement, la tour fut sauvée. Parmi les nombreuses anecdotes, on peut citer celle de l'escroc qui réussit en 1925 à vendre la tour à un ferrailleur crédible en se faisant passer pour un autre fonctionnaire. On the left is the symbol of Paris, the Eiffel Tower. It was built for the 1889 Paris World's Fair. It measures 327 meters in height, which is about 10 times the length of this boat. At first, the tower was designed to be temporary. Many artists and writers at the time hated the tower, and demanded that it be taken down. In the end, it was saved. One famous anecdote is about a crook, Victor Lestique,